Bonjour les lions, le temps fort de la semaine a lieu ce week-end. Mercure, Mars et Jupiter sont vos alliés du moment si vous êtes du premier et second décan. Vous serez avantagé par une conjoncture clémente et même propice aux prises de contact, aux voyages et aux rendez-vous privés ou professionnels. Vous devrez quand même faire preuve d'un petit peu de patience car un projet peut prendre du retard même si par ailleurs il est en très bonne voie. Vous êtes dynamique en général et vous n'aurez aucun mal avec le soutien des astres à prendre les choses en main pour faire aboutir une initiative censée vous faire valoir auprès d'une clientèle, d'un public ou de votre employeur, né en juillet surtout. Une rencontre peut survenir si vous vous déplacez ou si vous chattez sur le net. Ce n'est pas forcément durable, mais au moins ça aura le mérite de vous changer les idées, surtout si vous êtes de juillet. Du début août, une personne risque de s'éloigner momentanément, ce qui ne vous empêchera pas d'être ensemble ou d'échanger ce week-end. Vous avez la pêche cette semaine, l'arrivée des beaux jours vous redonne le moral. Vous sentez que votre vie va changer, même si pour certaines, de la fin du signe, des soucis vous minent de temps en temps, comme en début de semaine par exemple. Les signes top sont les béliers et les gémeaux, les signes flop, il n'y en a qu'un, c'est les taureaux. Passez une excellente semaine. Si vous désirez une consultation en privé avec Patricia Lasserre ou un membre de son équipe, rendez-vous sur son site internet voyance-équitable.com.